le départ. C'est vrai que chacun essaie de se positionner au mieux, bien sûr. Attention, attention, départ imminent. Pour ses concurrents avec le numéro 9 qui prend un départ en retrait, c'est Lysia Desagés. Alors qu'on fonce maintenant avec le JBL numéro 5 également, Lexi de Banville, le numéro 8 qui a pris un très bon départ, ainsi que le numéro 10, Lutin Desbordes. Et la favorite, Little Aurélie, qui est bien partie, qui est déjà parmi les chevaux tête au galop. Little Aurélie, la favorite, qui perd le contact sur une faute. Elle a perdu énormément de terrain, faute également de Le Voyou d'Almo. Coup de théâtre en début de course. Et c'est Lexi de Banville qui s'installe aux commandes pour bientôt sortir du premier tournant. Avec Lexi de Banville qui est donc au commandement dans son sillage, le 12, Let Me Shine Gio. À l'extérieur, c'est le Gibet, le numéro 5. En quatrième position, Lutin Desbordes, le 10. Avec ensuite le numéro 3, Los Fatal, qui est là, cinquième, avec Lovissime à ses côtés. Un peu plus loin, à quelques longueurs, c'est Lucky Sibet qui tente de se mettre en route dans sa course, avec beaucoup plus loin, Luminous Star, pour passer devant les tribunes. Ouais, sous l'impulsion de Lexi de Banville qui a l'avantage, Let Me Shine Gio, un peu brillante, côté corde en deuxième position, faute à l'arrière du numéro 9, Lysia Desagés, alors que le Gibet, numéro 5, se rapproche des leaders. À tout près, il y a également Lutin Desbordes, Kazakh Rouge avec Lovissime qui est en position d'attente. Lus Fatal à la corde et en léger retrait, Lucky Sibet. Dans la descente avec Victor Sosset qui se retourne à plusieurs reprises avec le Gibet qui tente de prendre le meilleur peut-être à Lexi de Banville. Avec en troisième position Lutin Desbordes, faute de Lémi Changio, le numéro 12. La quatrième place est pour le 7, Lovissime. Maintenant Lucky Sibet qui passe cinquième, le numéro 11, faute de Lus Fatal également dans cette descente. Et c'est toujours le Gibet qui a l'avantage en bas de la descente à un peu plus de 1500 mètres du but. Lexi de Banville deuxième. En troisième position Lutin Desbordes, Lovissime qui suit bien les premiers. Elle est en quatrième position devant encore le numéro 11, Lucky Sibet, le Minustar en légère et Little Aurélie qui tente de revenir après son incartade en début de course. Oui, la favorite qui a recollé alors qu'en tête c'est toujours le Gibet, le numéro 5. Lexi de Banville est en deuxième position avec Adrien Lamy qui s'est retourné. Dans son dos c'est le 10, Lutin Desbordes. En quatrième position le 7, Lovissime. Lucky Sibet est là, cinquième avec à ses côtés le 4, Luminous Star. Et en dernière position le 13, Little Aurélie. Début de la montée maintenant, ça va un petit peu moins vite sous l'impulsion de le Gibet qui est un peu repris par Victor Sosset. En deuxième position, Lexi de Banville. Lutin Desbordes toujours troisième, Luminous Star qui commence à progresser en épaisseur, qui arrive maintenant à hauteur de Lovissime et qui est suivi par Little Aurélie, alors que côté corde, Lucky Sibet regagne des rangs. Ouais, Eric Raffin qui a pris l'option côté corde maintenant pour refaire un peu de terrain, mais on lance la course maintenant avec Lexi de Banville qui attaque le Gibet par l'extérieur. En troisième position, le 10, Lutin Desbordes en position de contre. On a ensuite en retrait la quatrième place pour Lovissime avec Lucky Sibet. Intersection des pistes maintenant avec Lutin Desbordes qui accélère. Lutin Desbordes qui vient à hauteur de Lexi de Banville. Le Gibet qui n'a pas pu réagir. Lovissime qui revient en quatrième position. Et Little Aurélie également qui fait l'effort, qui tente de revenir sur un duo de tête qui s'est détaché, Lexi de Banville et Lutin Desbordes. 500 mètres à parcourir avec Lexi de Banville. Adrien Lamy qui se retourne encore, qui contrôle pour l'instant avec la pouliche à son extérieur. Lutin Desbordes, le numéro 10 avec Little Aurélie qui fait un truc, hein, qui vient maintenant en troisième position. Et la quatrième place est pour le 7, Lovissime. Et ça repart devant avec Lexi de Banville qui réaccélère encore. Lutin Desbordes qui se lance à sa poursuite à l'entrée de la ligne droite avec Little Aurélie qui est maintenant seul troisième devant Lovissime. Lexi de Banville qui tente de repartir maintenant à 200 mètres du but. Lutin Desbordes qui essaye de revenir, mais Lexi de Banville tient bon. Lexi de Banville qui repart sous l'attaque de Lutin Desbordes. Little Aurélie est en troisième position. Lexi de Banville devant Lutin Desbordes. Lexi de Banville qui va offrir un nouveau prix d'essai à Thomas Lévesque. Deuxième place pour le numéro 10, Lutin Desbordes. Little Aurélie est troisième. Lucky Sibet quatrième. Lexi de Banville qui remporte ce prix d'essai.